Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Canary Play. Malgré la défaite des Nantais, c'était dimanche soir face à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. On va revenir bien évidemment sur ce match et sur ce mauvais début de saison du FC Nantes. Mais tout de suite, le premier tweet, il est signé d'une personne plutôt connue, Roland Courbis. Je dément tout coup de fil au rendez-vous avec le FC Nantes. C'est pas la première fois que mon nom circule quand un club ne va pas bien, j'y suis habitué. Évidemment, on va reparler de Roland Courbis, on va reparler de René Girard, et on va parler surtout de la globalité euh, de ce FC Nantes avec nos trois invités du jour, en commençant par euh, Mister AFP, Monsieur Fred. App. Salut Fred. Salut. Avec également Julien Soyer qui nous revient tout droit bronzé de Marseille, de ouest france évidemment. Salut Julien. Salut à tous. Et puis euh, le grand triathlète. Hein, C'était un <laughs> grand cycliste, il est devenu le grand triathlète puisqu'il était à la Bowl ce week-end. Euh, Jérôme Pinault, salut Jérôme. Salut, salut à tous. Messieurs, un petit premier tour d'horizon sur ce que vous avez vu, puisque certains étaient dans leur canapé, d'autres étaient au stade Vélodrome. On va commencer par Julien qui était dans l'ambiance extraordinaire du stade Vélodrome. 22, 23 000 personnes. Ouais, un stade bien dépeuplé en tout cas. Il y a eu du bruit en revanche parce que parce que c'était un match un peu un peu foufou où ça allait d'un but à l'autre. C'était un peu opération porte ouverte des deux côtés. Donc du coup, il y avait il y avait de l'ambiance et des actions. Mais c'est vrai que on aimerait, euh, on aimerait, mieux voir le Vélodrome un peu mieux garni, parce que ça reste quand même un, un endroit mythique de, du foot français. Et ça l'était pas, en tout cas, euh, dimanche soir. Fred, toi, tu étais euh, tranquillement dans ton canapé. Ouais. Euh, tu t'es pas endormi Non. Non, 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 non j'étais très attentif jusqu'au bout. Non, non, moi, moi, j'ai trouvé le match euh, vivant, effectivement intéressant euh, dans un sens, euh, relativement pauvre quand même globalement euh, dans le jeu. On peut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs euh, de part et d'autre. Donc, euh, donc voilà, bon, avec, avec le, le résultat qu'on connaît et, euh, et euh, qui est à la fois logique et un petit peu frustrant quand même pour, pour les Nantais avec la dernière grosse occasion. Logique et frustrant, c'est ce que tu retiens aussi, euh, Jérôme, de ce Marseille-Nantes Logique, oui, parce qu'on a vu quand même en première période, surtout euh, les, les Olympiens, dominer le FC Nantes. Je crois que l'équipe de Nantes a marqué très tôt, mais ensuite on a, on a beaucoup subi énormément subi et donc ce, le, le score est logique malgré oui effectivement cette frappe sur la barre de gilet et les quelques occasions cette petite domination en, en, fin, de, en fin de première en fin de seconde période mais sur la globalité de la, de la partie euh, le match ressemble beaucoup à, à ce que fait le FC Nantes depuis le début de saison de la fébrilité manque de communication une équipe qui, qui, est, qui est vraiment pas en confiance et qui tarde vraiment à, à se trouver à se trouver. On va revenir, on va refaire le fil de ce match ensemble, messieurs, avec, eh bien, vous parliez justement de ce but très tôt dans la rencontre, le premier but signé donc du FC Nantes. On va le revoir ensemble avec ce corner de Lucas Lima, côté gauche, très bien frappé, ma foi, sur la tête de Stepinski qui va rabattre ce ballon et qui est à poussé ce ballon au fond des filets avec le bout de ses crampons. C'est Emiliano Salah qui avait été tellement malheureux face à Saint-Etienne. Et là, on la voit, hein, la joie de tout. L'effectif nantais qui vient saluer euh, le buteur de, de ce début de soirée. On revoit bien joué hein, de la part de, de Stepinski, qui euh, je ne pense pas qu'il veuille chercher vraiment, mais ça là, en tout cas, il rabat bien son ballon. Et puis ça là, renard des surfaces. Ça fait du bien quand même pour Emiliano Salah de, de repartir avec un but comme ça. Oui, oui, oui. C'est pour un attaquant, c'est toujours important de marquer. Euh, il restait sur un échec euh, au penalty contre Saint-Étienne, euh, qui, pour le moral, là, pour le coup, était vraiment très, très néfaste. Donc, euh, c'est bien pour lui, hein, un but un peu comme il sait faire, quoi. Un but de, de, de Pas de raccro. Raccro, si. Bon, un petit peu quand même, parce que bon, <laughs> il, il tend le pied, il a de la chance, il a des billes juste assez pour qu'elle rentre, mais bon, voilà. Ça, ça compte comme, 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 une bicyclette, donc euh, c'est pas grave. Jérôme, les plus anciens, diront que c'est un but à Jean-Michel Ferry, non, à l'époque un petit peu ouais, ça, ouais. la patte qui traîne il est là au, il est là au bon endroit on peut pas lui reprocher ah, il est bien placé et il fait l'effort on voit sur le début du, de l'action de se démarquer de, de suivre l'action donc et c'est à l'arrivée il a un peu de réussite mais il a, il a tout fait pour être là où il faut quoi mais je dirais que c'est presque un but à la Emiliano Sala c'est à dire qu'il il marque des buts quand il ne faut pas trop réfléchir, trop gamberger. Quoi. On l'a vu contre saint étienne Dès qu'il y a un peu de temps de réfléchir où je vais la mettre, il ne la met pas au bon endroit. Là, il faut qu'il mette le pied, il le sait. Il est au bon endroit, il le met, il y a but, tant mieux. Mais euh, ça ne veut pas dire que le prochain face à face, il va le remporter. C'est ça qui est inquiétant pour un attaquant. Ouais, on là, espère, on espère effectivement que, que ce sera le cas. Béton Julien qui, qui nous dit malheureusement que de pauvreté dans le, dans le jeu nantais, dans la globalité donc de, de, de ce match face à, face à Marseille. Tout avait bien commencé pour les Canaris. Tout le monde s'en réjouissait derrière son petit écran ou au stade Vélodrome si, ton, si on était supporter du FC Nantes. Et puis, il y a plusieurs faits de jeu. On va le voir notamment, c'est la sortie sur blessure de Valentin Rongier qui n'a pas de, pas de bol hein, franchement après sa rupture des ligaments croisés euh, l'an passé il vient pour contrer et là il prend euh, bah, le, le, le bas du tibia la semelle de, de Florian Tovin. regardez le choc terrible fracture du nez à la finale pour euh, Valentin Rongier qui sera absent hein, d'ores et déjà pour le match face à Bastia et qui devra porter certainement un masque de, de protection euh, dans, les, dans les semaines à venir obligé de céder sa place à, à Thomasson qui euh, fera son entrée donc euh, quelques minutes et bien après, euh, après cette blessure de Valentin Rongier. Gros coup dur, euh, Jérôme, ce, cette sortie de Valentin Rongier. Oui, je pense que c'est un gros coup dur. Ça a été un, un premier tournant pour le FC Nantes. Valentin est en train de revenir gentiment. L'an dernier, on a vu sur la première partie de saison, avant qu'il se blesse, qu'il était un des piliers, un incontournable de l'effectif. Et c'est clair que sur cette blessure, dans le dispositif qu'avait qu mis René Girard en place, euh, Thomason est un bon joueur de foot, mais ça, ça ne remplacera pas euh, Valentin Rongier et, et c'est un premier coup dur. On le voit même sur la blessure, tout, tous les coéquipiers viennent le voir, sont très inquiets pour lui et c'est clair que et pour le match à Marseille et pour la suite euh, les deux trois prochains matchs de championnat. Heureusement, il y aura la trêve internationale, mais ça va c'est un coup dur et puis encore une fois une blessure pour lui, donc euh, ça va pas le mettre en confiance, ça c'est sûr. La disparition du coup du pardon du tandem Gilet-Rongier, c'est ce qui a aussi fait défaut dans ce match. Oui, je pense que ça a été l'un des tournants du match malgré tout, euh, parce qu'on a vu qu'après, dans, dans l'axe, il y a eu beaucoup de problèmes lorsque l'avant-centre euh, Gomis décrochait. Euh, ça créait des brèches, il y avait, les compensations ne se faisaient plus pareilles. Euh, je pense que ça a déséquilibré l'équipe et que ça, ça a fait perdre un peu de sérénité aussi. Effectivement, on va regarder euh, bien évidemment eh bien, les occasions, les nombreuses occasions qu'ont eues euh, les Marseillais, parce qu'entre la deuxième minute, le but des, des Nantais, et la 37e. Où il y aura une autre occasion pour, pour le FC Nantes. Il y a eu 35 minutes où les Marseillais ont poussé, ont dominé. Les Nantais n'ont pas vu le jour. Et euh, c'était euh, des vagues marseillaises. On va regarder hein, toutes ces occasions de l'OM ensemble avec euh, eh bien tout d'abord cette première volée signée Florian Thauvin qui passe vraiment au ras de la lucarne hein, de, de Rémi Rioux. C'était la, la première mèche. La deuxième, c'est euh, la frappe de Bafé gomi C'est la parade de euh, Rémi Rioux sur euh, l'intérieur pied droit de l'attaquant marseillais, il sauve vraiment son, son équipe, Bafé Gomis, on va le retrouver. Alors là, il est un petit peu tout seul, euh, Gomis avec un autre de ses compères, on se demande un petit peu comment la défense nantaise y est pris, et puis là, c'est Aminarid qui va sauver sur sa ligne après ce dégagement encore manqué de Viscarondo, et c'est le jeune milieu de terrain nantais qui, qui dégage de la poitrine et qui peut donner ce ballon euh, à Ariou on voit toute la fébrilité nantaise dans ce passage d'une de, grosse demi-heure en première période, et la, la reprise donc de Clinton-Nji qui euh, ne marquera pas sur... Sur ce coup-là, et puis il y en aura encore d'autres, hein, à l'image de cette ce face à face incroyablement perdu par Bafé Gomis. Toute la fébrilité, une nouvelle fois de la charnière centrale nantaise avec un viscaron 40 à terre, et puis la Rio qui était couchée, et Bafé Gomis qui n'arrive pas à cadrer malgré, et eh bien, tout, euh, toute sa lucidité. On le verra un petit peu, un petit peu plus tard. Ça fait 5 six grosses occasions, Fred, pour pour Marseille. Là. Oui, oui bah à la mi-temps, il y aurait pu avoir 3-1 pour Marseille, il n'y avait rien à dire, ça, ça c'est clair. Euh, bon, on va pas refaire le match. Hein. Euh, si Nantes n'avait pas mené 1-0 si vite, peut-être aussi qu'ils auraient été plus haut après. C'est compliqué, compliqué à dire. Mais, euh, mais oui, enfin, Marseille a, a fait énormément de chances. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant que, que Nantes n'ait pas réussi à revenir avec un point, parce que là, c'était un bold up quand même qui leur tendait les bras. Ouais. Mais, mais là, encore une fois, la, la victoire marseillaise est mille fois méritée. On va revenir avec Jérôme et avec Julien, justement, sur, sur ce début de match. Je voudrais vous poser une petite question. Avant cela, Patrice C6 qui nous dit Où en sont les blessés, surtout en défense centrale Diego Carlos et Gigi. Visca a besoin d'une année sabbatique. C'est vrai que Visca Rondo n'est pas, est pas extraordinaire depuis le, le début de la saison. A priori, euh, d'après les dernières nouvelles, Julien, en tout cas, euh, c'est pas. Plutôt bon signe, ils ont repris l'un des deux en tout cas, a repris l'entraînement collectif. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je crois que c'est Gigi hein, qui s'est euh, réentraîné euh, avec le groupe. Donc, euh, c'est plutôt bien pour, pour le FC Nantes. En plus, euh, ben, on, on voit qu'il y a quand même encore Diego Carlos et Wallongois qui ne sont pas en, en pleine possession de leurs moyens. Donc, Reprise on a individualisée. Besoin, euh, voilà, on a besoin d'avoir un peu de monde dans, dans ce secteur. Même si euh, pour une première qui euh, n'est pas vraiment à son poste, Nocquateng, une première titularisation. Nakwateng a fait ce qu'il a pu et plutôt bien fait. C'est pas facile de, de démarrer dans, dans, dans telles conditions, qui plus est avec un Viscardo aussi fébrile. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'on a besoin. C'est bien que Kofi, pour lui surtout et oui, pour le, FC et pour Nord, le club, euh, c'est bien qu'il qu soit en, en mesure de reprendre. Après, c'est vrai, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'après avoir mené si vite. Euh, on pouvait se dire, voilà, là, on a, on a un scénario plutôt favorable pour reprendre confiance, pour remettre un peu... Euh, Marseille est quand même dans, aussi dans, en, le trou, hein. en, dans le trou et, et fébrile. Si, euh, si pendant les, les 15-20 premières minutes qui suivent le but, on arrive à, à mettre la pression, à rester haut, le Vélodrome, qui est déjà pas très garni, peut se retourner aussi contre l'équipe. Et je pense que ça, on n'a pas su saisir le contexte. Quoi. Alors, c'est juste... Très belle transition parce que c'est la question que je voulais vous poser, messieurs. Euh, on a entendu notamment dans les commentaires chez nos confrères de, de, de Canal euh, qu'il y avait une incompréhension après le but. Les Nantais voulaient rester haut et presser haut, et visiblement euh, les instructions de, de René Girard étaient de redescendre un petit peu d'un cran pour pas se faire contrer. Jérôme, ça le fait, ça le fait marrer. Qu'est-ce qu'on a pensé toi de ça ben Non, ce ça fait marrer, ça me fait pas rire parce que c'est inquiétant de savoir que les joueurs réagissent complètement différemment à ce que ce qu'on leur a donné comme comme, comme consigne. consigne. Moi, ai, je ne vais pas me faire que des copains, peut-être, mais j'ai l'impression que ce match, mmh. avec Michel Extérian, il l'aurait gagné. Aujourd'hui, René Girard veut faire jouer son équipe, mais qu'il n'a pas, pas les moyens de faire jouer comme il a envie de le faire. Il n'a pas l'effectif pour Non, et il n'a pas la qualité pour, il n'a pas l'entente pour. Il aurait fallu que ce groupe arrive plus tôt et que se connaisse mieux. Aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence. Il faut faire appel à des valeurs humaines et on n'a pas vu de valeurs humaines euh, sur, ce, sur ce match. La, la, la pire des choses, et moi ce qui me saute aux yeux, c'est la réaction des joueurs et de l'entraîneur. Alors on sait qu'aujourd'hui il faut faire beaucoup de communication et on ne peut pas trop se lâcher, sinon on se fait reprendre par, par de nombreuses personnes. Mais On entend un tout à l'heure. Ce qui m'inquiète, c'est d'entendre de, pas mal de Nantes dire ce match il est passé à quelques doigts de la victoire. Non, si on regarde les images, il peut y avoir 4 ou 5 à, à 1 à la mi-temps. Et, et quand on dit qu'on a failli gagner ce match, alors qu'on a aussi gommis ses... Et un peu plus à droite, il, il, il y a 3 ou 4 à 1, et, et tu es loin d'avoir gagné ce match-là. Donc c'est là que c'est inquiétant, là que la communication c'est bien, mais il va falloir quand même voir les choses en face, et, et c'est le danger. Le seul joueur qui voit les choses comme il fait, c'est Gilet. Gilet dit c'est la crise, il faut en être conscient, il faut falloir réagir très vite. Et on l'entendra. Simon Cussonnet qui nous dit en direct des progrès et de la malchance, il faut continuer d'y croire en attendant le retour des blessés derrière. Il n'y a pas effectivement que de la malchance non plus. Euh, on rebondit sur ce que disait Jérôme une équipe qui devrait mieux se connaître, pourtant la majeure partie de ses joueurs, Ils se connaissent depuis le mois de juin. Mmh... Oui, c'est pas une. Oui, il enfin, faut, faut voir qu'il y, y a un vrai changement culturel aussi dans le jeu qui leur est demandé maintenant par rapport à ce que faisait Derzakarian. Donc euh, ça, 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 ça demande du temps, ça demande énormément d'automatisme de, aussi. Et euh, on a vu que c'est ce qui a manqué défensivement. Donc ça manque d'abord parce que des joueurs ne jouent pas forcément à leur poste. Euh, moi, ce qui m'a, je dirais presque plus inquiété encore. Enfin, c'est surtout que ça se cumule. C'est aussi l'incapacité des Nantais à exploiter les espaces énormes que laissait la défense à euh, ah, Il y troubés, hein. mais, mais oui, qui, qui est quand même l'une des plus faibles de Ligue 1. Et donc, euh, effectivement, que, que Nantes ne se soit pas créé lui plus d'occasions, quitte à en concéder, mais que au moins devant il se passe quelque chose. Ça, ça pour moi, c'est presque. Bon, c'est pas nouveau, on sait que c'est ça le problème euh, principal de Nantes, mais, mais euh, voilà, tout, les, les, on a l'impression que ça ne va ni devant ni derrière. Et, bon, et, même, pas au milieu. et même pas au milieu. Julien, tu voulais intervenir Ouais, non, c'est par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est qu'on a une équipe qui, euh, qui pourtant, comme tu l'as dit, les joueurs sont arrivés tôt le recrutement, mais, mais une fois encore, on, il y a un an et demi, on disait, enfin, Franck Kita disait il faut une équipe euh, euh, de recrues euh, L1. Alors, L1 française et en début mais là, de français saison ou étrangère, mais voilà, mais voilà. et L1 ou même L2 à la 8 bon niveau L2 et là en fait au début de saison tout le monde se réjouissait d'un recrutement ultra international de jeunes joueurs à l'arrivée on a quoi des mecs c'est des beaux paris hein, mais on a des garçons qui sont pas acclimatés pour l'instant à la Ligue 1 Pas d'expérience qui n'ont pas l'expérience et qui vont du coup euh, n'ont pas la vocation à devenir les tauliers qui manquaient déjà l'an dernier Or là, eh bien, il va en falloir des des mecs qui sont capables de, de rentrer un peu dans, dans l'art, des, des gars comme Gilet qui vont être capables de dire attention, euh, on, on méritait de le perdre ce match, en tout cas euh, pas forcément de le gagner. Il a même été plus sévère, on va l'entendre tout on à l'heure. Mais... On est en crise. Si l'état est... d'urgence n'est pas bien mesuré par les, les joueurs du FC Nantes, euh, on va droit dans le mur. On en a vu plein, des équipes dire tout va bien, on s'entend bien, on va, on va se réveiller, et puis finalement euh, sombrer en Ligue 2. quoi. C'est vrai qu'on a évidemment regardé, notamment sur le but nantais, l'état l'esprit du groupe. Ça a l'air de bien s'entendre, mais il va falloir un peu, de, un peu de leader et un petit peu de patron aussi pour redresser pour tout ça. Alors, on a vu toutes ces occasions marseillaises. Inévitablement, ça a débouché de toute façon sur un but au milieu de, milieu de première période. On va le voir ensemble sur un enchaînement magnifique, même si on verra une nouvelle fois que la chaner centrale n'est pas franchement sur, sur le coup avec cette double. Combinaison entre Gomis et NJ qui est conclue parfaitement d'une frappe croisée à pied droit. Viscarando qui sort tard sur, euh, sur euh, Gomis et du coup le décalage il est fait. C'est pas comme si on savait pas qu'Engie allait vite. Hein. Non, non ah, c'est vrai qu'on connaît un petit peu quand même. Il, il, il sort trop tard et du coup il n'y a aucune chance qu'il le rattrape à la course. Donc, euh, et le boulevard est, il est là. Et le, ah, et le boulevard est béant. Hein. Donc euh, l'intervention de, de Viscarando là euh, ne sert à rien. Et c'est lui qui met l'équipe en danger qui ouvre la porte quoi. Yo. Scarando est très bon quand il joue derrière euh, un bloc qui défend bien et qui joue corps à corps dès qu'il y a des espaces Scarando il est dépassé et quand euh, on a la VCR comme il y a l'adversaire en face euh, Marseille et NJ. Dès qu'il hein. 4 mètres, ça fait mal. Hein. C'est clair qu'à la course, sur un 100 mètres, on parierait facilement sur la victoire d'Engie. Et là, balle au pied, il va très vite. Il, il croise parfaitement, il a élevé la tête. C'est là, sentence ans, ça devait tomber. On l'attendait. De toute façon, ce but, il devait arriver. Ce qui est malheureux, c'est que devant, devant Viscarando, il n'y a pas plus de, 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 de fermeté, il n'y a pas plus d'engagement. On ne resserre pas les lignes. Ce n'est pas une équipe qui a la dalle et qui doit serrer les lignes et qui doit coûte que coûte ramener ses trois points. On sent que. On mène au score, mais finalement, on regarde les Marseillais jouer et on est puni Et c'est logique qu'on soit puni. Et l'équipe, finalement, qui n'est pas si regroupée que ça, puisque, avec seulement 30%, je crois, de possession de balles, on pourrait imaginer que ce bloc Nantais existe euh, pour un joueur un peu, un peu regroupé derrière. Finalement, il y, a des, euh, il y a des tuiles un petit peu partout et des failles un petit peu, un petit peu partout. Alors, le, le FC Nantes avait marqué donc dès la deuxième minute. Égalisation d'Engie, on vient de l'avoir ensemble à la 22e. Et des Nantais qui. Euh, Allez, on va dire, on plutôt pas trop mal terminé la première mi-temps. On va regarder les occasions euh, que se sont créées les, euh, les Canaries. Notamment, cette frappe de euh, Léo Dubois, du gauche, hein, pour le latéral droit du, du FC Nantes. Elle était, elle était belle et euh, pelée, dit l'Albatros, hein, quand il joue au Mans. Eh bien, c'est parfaitement, euh, parfaitement détendu sur cette frappe de Léo Dubois. Puis là, il y a une superbe occasion. C'est Lima qui euh, lance Salah. Et malheureusement, eh bien là, sur ce coup, euh, Salah, il a un peu tergiversé. Il sait pas trop quoi en faire. Est-ce qu'il doit dribbler le gardien? Est-ce qu'il doit frapper? C'est pas bien joué là. Il peut même la mettre en retrait dans l'axe Il y a quelqu'un qui arrive aux 16 mètres là avec le but ouvert, mais bon, c'est toujours facile de son canapé de, de, de le dire. Le dire. Ouais. Non, en tout cas, c'est une réelle occasion, Julien. Ah oui. Ça, ça rejoint ce que disait euh, Jérôme euh, quand il a il a un choix à faire euh, dans l'urgence, il fait souvent le mauvais quoi. Donc euh, il est pas c'est pas un, le tueur qu'on qu connaît. Il avait une occasion un peu similaire contre Angers l'année dernière à la Beaujoire Il l'avait transformé. Ça aurait pu être un déclic, mais je pense que, que c'est le mal d'Emiliano Salah. C'est un mec qui. Euh, alors on ne peut rien lui reprocher quant à son abnégation et sa volonté de, de faire des efforts. Lui, ça peut être un leader, ça peut être un, un gars pas, justement. Pas ça qui, arrive, euh... Oui, mais le problème, c'est qu'on a besoin quand même de mecs euh, qui sont crédibles et légitimes sur le terrain. Le mec qui va rater quatre occasions euh, franches en deux, trois matchs, à un moment, même s'il est le leader. Euh, il, ben voilà, quand euh, Gomis il prend le ballon, il a déjà raté trois occasions franches. Il prend le ballon pour tirer le penalty. D'entrée, il sait qu'il va mettre une frappe forte au milieu du but. Il le met et on voit à un moment Tauvin qui essaye de lui, de lui réclamer de il tirer. C'est moi c'est moi le boss, c'est moi qui ben prends voilà, la responsabilité. Est moi. Voilà. Et, euh, mais au moins, euh, et puis il assume derrière, il la met. Euh, bon bah, on a vu ce qui s'est passé avec Saint-Etienne contre Saint-Etienne avec Emiliano Sala, il a voulu le tirer à Il, a dit, il a dit aussi à Bagou, c'est moi, c'est moi. qu'il qu a fait une passe à Ruffier quoi. Oui, bon, sauf que temps, le... Ça fait tellement longtemps que Nantes n'avait pas eu de pénalty non, là, On se demandait même si ça allait vous fallait poser le ballon avant de tirer. <laughs> ah ouais, bah, il y avait, heureusement qu'il y a un point blanc, en fait, euh, pas trop loin du <laughs> quai. C'est bien pour qu'il y ait un arbitre, C'est bien là, monsieur, pose <laughs> le ballon. On en rigole, c'est vrai. qu'il il faut malgré tout avoir une forme de légitimité sportive. Et pour l'instant, à Nantes, ceux qui pourraient endosser ce rôle... Ben, il se cherche trop. Alors un partout à la pause, euh, c'était, euh, on ne peut plus, non pas mériter, mais euh, on ne peut plus flatteur pour euh, le FC Nantes qui s'en sortait qu euh, le, le but plutôt bien. Hein Il y avait eu le but d'Enji. On va le revoir. Me grille pas toutes mes cartouches pardon, déjà. Parle, on va le revoir pardon. après. Mais je l'ai gardé un petit <laughs> peu avec, euh, avec d'autres euh, occasions. Euh, on va voir surtout le deuxième but euh, marseillais qui est intervenu assez rapidement au début de seconde période avec euh, bah, cette incursion mais tellement facile. On va le voir dans la surface de Gomis qui euh, se permet eh bien, de, de dribbler deux joueurs. Et puis euh, derrière, alors euh, penalty pas penalty. Honnêtement, euh, le pied d'Enock Quateng qu'il tend en fait et eh bien Gomis vient buter sur le, sur le pied. Il y a faute. Hein, inévitablement, l'arbitre qu'il siffle pénalty, il n'y a pas de scandale là. Non, 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 non il, y a, il y a rien à dire. Voilà, après, euh, Enoch Queteng, euh, il essaie d'intervenir, il ne va pas pour être méchant, mais pour piquer le ballon. Et puis derrière, bah, comme le disait Julien, grosse frappe en plein milieu, et Rémi Rioux qui encaisse, si je ne dis pas bêtise, son 15e, 14e pénalty depuis qu'il est... Nantes est en, en, en Ligue 1, il en a arrêté un, enfin plutôt euh, casery le Bordelais, lui avait offert, euh, parce qu'il avait loupé sa panenka. C'est franchement pas, euh, on va dire, le... Le type d'exercice qu'il raffolerait bien Non, mais tu ne dois pas le prendre déjà, le pénalty. Oui, au-delà de ça, et le gardien n'est pas obligé non plus. On ne peut pas avoir des Mickaël Landreau euh, Exactement. Euh, dans il toutes les générations. Il y a quand même beaucoup plus de gardiens qui en prennent qu'il en arrêtent. Mais sur l'action, on le voit encore. Viscarando n'est pas là. Il fait à peine un effort. Il, et ensuite, il regarde l'action se dérouler. Quateng se couche trop vite pour moi, alors qu'il y avait encore Léo Dubois derrière. Donc même s'il y a une frappe, il y a moyen de contrer encore une fois Gomis derrière. C'est preuve de fébrilité, c'est preuve d'un de, manque d'engagement de, et, et d'une équipe qui, qui a peur, qui a ouais, peur. Hein. Naïveté, d'expérience aussi. pour Koteng, oui, C'est vrai que c'est sa première titularisation en Ligue 1. Un poste qui n'est pas le sien. Ah, un poste qui n'est pas le sien. Donc c'est vrai que sur l'action, on se dit qu'il fait preuve d'un peu de, de naïveté et qu'il ne doit pas se jeter. Mais bon, voilà. À vitesse réelle, vite, je pense qu'il veut, vite, hein. il veut, il veut oui, intervenir. Oui. Il veut intervenir et malheureusement. Il, il pense l'avoir et malheureusement, bon, ça, ça passe pas trop vite ça Va un petit peu trop vite pour, pour lui. Alors, l'OM qui reprend donc sa marche en avant de Buzin, la confiance est évidemment dans les, dans les rangs marseillais qui vont se créer d'autres occasions. On va les voir ensemble ces occasions de but parce qu'il y en a eu encore quelques-unes, notamment cette tête de Gommis. Mais Alors là, il faudra m'expliquer comment un garçon comme Gomis peut être seul à ce point dans la surface de réparation. Incroyable. C'est hallucinant. Il est au point de pénalty, lui il sait où il est le point de penalty. Et puis là, ça va être la, la volée de Clinton NG euh, qui, qui ne va pas être cadré mais qui aurait pu faire mouche. Également étrangement seul à l'entrée de la surface de réparation. Mais là, là cette occasion-là de, de Gomis, Julien, c'est hallucinant. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et puis ça rejoint ce que disait Jérôme, encore une fois, on ne voit pas cette équipe qui a, qui a faim, quoi, qui a la dalle. Parce qu'en fait, la, la tête de, de Gomis. La dalle, c'est avant... pour Angers, hein, c'est la dalle vide. Ouais. Est... Mais la, la tête de Gomis, elle est avant le, le penalty. Et. Euh... Normalement, un partout, on, laisse, enfin, on est encore plus à avoir très fin, c'est 48e minute de jeu. Donc on sait que les débuts de deuxième période, enfin les débuts de période sont toujours des moments euh, choisis par une des deux équipes pour, pour mettre la pression. Euh, c'est incroyable et ça renvoie une fois encore à ce manque de compacité, d'unité de, de groupe pour faire face à, à une éventuelle pression marseillaise. Et là, on laisse le joueur le plus dangereux de la première période. Euh, alors Pas seul. le plus efficace, mais le plus dangereux seul. On, complètement on se demande demand même s'il y a des consignes sur qui devait marquer euh, Gomis. Alors après, marquage de zone, marquage individuel. Ouais, mais le marquage de zone, ah, ils ont <laughs> laissé une belle zone en tout on, cas. Euh, C'est ça Et puis on peut pas, on peut pas marquer l'homme invisible dans sa zone. Quoi, je veux dire, si il si y a personne dans ta zone, tu, tu vas faire du marquage sur l'homme, sur un coup de pied arrêté, tu peux pas juste rester dans ta zone et attendre si le ballon vient chez toi. Donc, alors euh, vous aurez l'occasion d'ailleurs, parce que pour ceux qui voudraient revoir le, la globalité du match, euh, je l'ai pas mis dans ces, dans ces images, mais on voit très bien sur le marquage au départ. Il y a Gillet, il y a Viscarando qui entoure euh, Bafé Gomis. Viscarando recule, Gilet recule. Et du coup, Viscarando, il est persuadé que celui qui est à côté de lui, c'est Gomis et en fait, c'est Gilet. Mmh. Donc, euh, les, les deux Nantais sont marqués ouais, euh, en ensemble. Se parle pas, bien donc, ah, non, ça se parlent pas. Non, ça ne se parle pas énormément. Donc, euh, on, voilà, entend, on vient de voir les… en Gillet wallon, donc il parle français, Gillet. Ah oui, et puis bien. Ouais, ça. Il parle très, très bien. On et va du coup, regarder les, les occasions du, du FC Nantes en deuxième mi-temps parce qu'il y en a eu euh, aussi quelques-unes. Pardon, en commençant on vient par ce petit centre de Bamou, piqué pour la tête de Thomasson qui est beaucoup trop, beaucoup trop sur le gardien. Il n'a pas cherché à viser le poteau. Et puis surtout, surtout cette occasion, de la 79e minute, hein, le centre de Kashani Klitsch et la reprise de Guillaume Gilet qui vient fracasser la barre transversale. Elle était magnifique, hein, cette reprise de volée. L'action était belle d'ailleurs aussi. C'est euh, un temps fort des Nantais avec des Marseillais qui étaient complètement à la rue à ce moment-là. Et malheureusement, bah, quand on dit que ça ne veut pas sourire, ça ne veut pas sourire. Non, c'est clair. C'est un moment où là, avec un peu de réussite, une équipe en confiance met le but. Là, <laughs> là ça manque de chance, c'est clair. L'action est bien menée, l'action est bien faite, et pourtant, et pourtant, pendant toute la période et notamment cette période-là de, de temps fort, il y a eu la place. Il y avait la place entre les lignes de, de se créer d'autres occasions comme celle-ci en, en à Nantes, on a, la, on a quand même pris l'habitude de, de marquer après deux, trois occasions et pas du premier coup. Et là, ça aurait été, bon, ça aurait été un petit hold-up quand même d'aller chercher ce deuxième, ce deuxième but parce qu'on était dominé. Pas d'accord, Julien. Ah, c est c est et pas quand, même, quand on revoit le nombre d'occasions et quand on voit le match. Entre le, sur la globalité du match, oui, Autrus c'est qui nous dit. Ma, Marseille mérite de gagner cette partie-là. Ouais. Et que dire de Stepinski sans ballon ou alors d'Emiliano Salah Rien par les ailes, Thomson. Point d'interrogation. Difficile de jouer sans sans ailier. Pour euh, pardon, au trousseau, euh, c'est sur, euh, sur Twitter et l'opinion du chef, Fred. Oui, parce que quand on voit l'activité d'un gommiste qui décroche, qui vient participer au jeu, euh, on a très très peu vu euh, les avant-centres euh, le faire et euh, du côté nantais. Et euh, ça, ça manque parce que ça donne des relais, ça donne des solutions, ça permet de, de conserver le ballon, ça peut, ça peut éventuellement... Stepinski avait essayé de le faire contre Saint-Etienne, oui. on ne l'avait pas beaucoup servi, il décrochait sans cesse, on ne l'avait pas beaucoup servi, et c'est vrai qu'à Marseille, on n'a pas beaucoup vu mm -hmm. ce genre de, de choses euh, se faire. Alors, Julien Soyer parlait tout à l'heure eh de clinton Ng euh, qui était parti comme une flèche à un moment donné dans le match. On a voulu faire un petit focus sur, euh, bah, sur l'arbitrage, même si euh, l'arbitrage de M. Jaffredo, il n'y a pas grand-chose non plus euh, à dire hein, parce qu'il n'est pas tout seul sur le terrain. On va revoir ensemble. C'était en, en première période cette magnifique ouverture de euh, c'était Tovin pour Clinton Energy Signalé en position euh, de hors jeu finalement. Vous allez le voir, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Pourtant, euh, c'était très 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 juste voir. Euh, il il voilà. Et puis euh, ça c'est dans les dernières minutes le centre de Tomsen, le tacle de Doria main pas main. On va revoir évidemment qu'il y a main de Doria. Ça, c'est sûr. L'arbitre doit logiquement siffler pénalty puisqu'il y a une utilisation de la surface de son corps qui est, qui est bien plus grande. Et puis là, c'est pareil, deux minutes plus tard, Harit, qui avait eu le malheur de simuler quelques minutes avant. Du coup, est-ce que M. Jaffredo n'a pas voulu sanctionner le Marseillais En tout cas, il y a bel et bien faute hein, au Bochkan. Il lui prend le pied d'appui. Il fait exactement la même faute contre Rennes en milieu de semaine, d'ailleurs ah oui parce que tu en étais laissant au... ouais, ouais, en laissant traîner le pied donc euh, donc euh, oui ouais la, la deuxième c'est limite parce que euh, de là où il est l'arbitre le voit pas forcément bien et effectivement il y avait un petit soupçon vis-à-vis euh, -vis de, de le, la Minarik le Doria, bah oui il y a penalty il hein, y, 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 y a rien à dire là, là c'est on se demande c'est toujours pareil on se demande à quoi sert le l'arbitre assistant, assistant qui, qui doit avoir vraiment une bonne vue là-dessus s'il est un peu attentif donc euh, les Nantais vont plus ouais. râler auprès de l'arbitre assistant d'ailleurs que auprès de l'arbitre de champ ouais, Jérôme oui, non, mais il y a, sur le contact, euh, sur Harit, il y a le même contact que sur Gomis en première oui. période. Sauf qu'il est un peu moins flagrant, on va dire. Sauf que, Sauf que, voilà, il, y a, il y a une équipe qui domine, qui pousse, l'arbitre est là. N'oublions pas quand même qu'on aurait pu aussi euh, ne pas marquer un point contre, contre saint étienne parce que le but de Pajou était valable. Donc sur une saison, moi. Je, ça s'équilibre je... Ouais, je pense. Allez, que ça, on l'entend bien celle-là. Non, mais je. je, 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 je... Tu y crois Ouais, pas pour les grands clubs. Alors on enlève Paris, on enlève peut-être d'autres, mais. Sur les clubs comme le, comme le FC Nantes. Je pense que sur une saison, on ne peut pas se plaindre. Et de toute façon, quand on voit le contenu, on n'a pas le droit de, de voir que les fautes de l'arbitre. Faut, quand et on pourtant, est entraîneur, il faut voir autre chose. Et pourtant, chose. merci pour la transition. On va écouter René Girard qui était en conférence de presse juste à, après le match. Les traits, les traits tirés, le regard un peu noir, pas beaucoup d'ironie hein, dans, dans, dans ses propos. Et surtout, vous allez l'entendre, c'est notre confrère Michel Aliaga qui lui fait remarquer justement après coup que les fautes d'arbitrage euh, n'ont pas eu lieu uniquement du côté nantais, mais qu'il avait, par exemple, oublié sur Clinton G, un enjeu qui, qui était inexistant. Écoutez la réponse assez agressive de René Girard. Vous pensez que vous méritez de gagner, ce ça Ben bah ouais, bah en tant que Marseillais, bah oui, je vous pose une question con, ouais, c'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais. Ouais, c'est convaincant. Vous êtes assez grand pour vous faire votre opinion. On a perdu contre plus fort que nous, 2 à 1, ils l'ont mérité, point. Voilà. On va pas. On va pas euh, je ne vais pas faire la, la une des journaux, parce que j'ai dit que. Euh, voilà, tout est interprété euh, comme vous en avez envie, donc je ne dirai rien là-dessus. Voilà, je trouve qu'on n'a pas été gâtés. Voilà. On n'a pas été gâté, dit, euh, dit René Girard. On a vraiment la sensation que la faute en incombe à tout le monde, sauf au FC Nantes. Ouais, c'est vraiment ce qui est regrettable, parce que quand je n'étais pas complètement d'accord avec, euh, avec Jérôme sur. Euh, voilà, les occasions ratées, ça fait partie d'un du, match de foot. Des, des, voilà, Nantes a eu la chance que Marseille soit très maladroit, que le Gomis soit très maladroit en première période. Ça les a maintenus en vie. Sur la fin de match, il y a effectivement euh, un voire deux pénaltys. En tout cas, un des deux doit être sifflé. Maintenant, René Girard, c'est ça qui doit tenir comme discours, dire voilà, on a eu de la chance. Euh, la première mi-temps, on n'y est pas, mais en deuxième période, euh, on a la barre et on a un penalty au moins qui doit être sifflé. Et là, on, comprend, on aurait mieux compris son courroux. C'est son oubli de, de la mais première période. Voilà, ça, si son on l'entend, si non, t'as fait un match parfait ou presque. Il dit quand même, non, t'as fait le match qu'il fallait faire. Ah, non, ils ont quand même euh, oublié de jouer pendant euh, de la deuxième à la quarantième minute, quoi. Vincent sylvain qui nous dit pas de penalty pour les mains sur les tacles glissés comme cela, consigne Ifab depuis déjà. Quelques années. Ah bon, j'irai vu des pénalties sifflées quand même pour pour ce type d'action, mais bon, on peut on peut également se tromper. On va regarder le classement de la Ligue 1 ensemble, même si ça va nous faire un petit peu mal au cœur de voir que le FC Nantes eh bien, est bien et non pas relégable, puisqu'il est 18e, mais il est barragiste, puisqu'on le sait maintenant. Et eh bien il y aura que deux descentes directes et puis un barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e De Ligue 2. on se rapproche de la fin de l'émission. On va écouter de nouveau René Girard qui a décidément été dans un grand jour. Il y a un journaliste qui arrive certainement en milieu de conférence de presse. Alors regardez euh, comment il lui parle, Et écoutez. Pourquoi j'ai parlé anglais là, non <laughs> Ah, tu es arrivé en cours de route. tu de route, ouais, n'as pas changé, je vois. Hein hein ah, d'accord. Non, 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 il n'a pas été pour nous, tu as bien compris. Tu n'as pas besoin de suivre toute la conférence, tu arrives au bon moment. Non, oui, je trouve, je trouve que, je trouve qu'on n'a pas été, pas été beaucoup aidé, ouais. pour pas dire. Il fait pas profil bas, hein, René Girard. Il est plutôt offensif plus dans ces dans dans interviews. Oui, de toute façon, enfin, euh, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être euh, ni très aimable, ni euh, mettre particulièrement les formes. Euh, ce qu'il est capable d'autocritique On peut toujours se poser la question. Euh, bon, je, le, le climat est tendu pratiquement depuis son arrivée pour lui aussi. Mais justement, est-ce que dans ces euh... cas-là, est-ce qu'on n'essaie pas d'être un petit peu profil bas, Jérôme on fait profil bas et surtout, euh, on... j'ai pas de leçons à donner, mais quand on est comme ça devant la presse, c'est fait partie de son travail. J'ai dire, il est, il est quand même pas tout jeune, il sait comment ça se passe, et il doit répondre de, de des failles. Et quand il est comme ça aussi offensif euh, en, en conférence de presse, quand on le voit aussi fébrile sur le banc et sans arrêt s'adresser à son fils de savoir comment on fait et quel changement on fait, qu'il ait ce comportement là et sur le terrain et après, ou alors qu'il l'ait pas, mais qu'il choisisse entre les deux parce que de s'en prendre aux journalistes qui sont là pour faire leur travail et demander ce qu'il en a pensé. Et ça ne va pas lui faire gagner des points. Donc euh, il faut qu'il faut qu montre enfin la patte. Girard. Il est là parce qu'il a un palmarès. Il est là parce que c'est quelqu'un qui fait du beau jeu. Ah bon bien, On attend de voir. Pour le moment, ça sent le, le match de barrage contre Reims. On connaît l'entraîneur <laughs> le à Reims. Et ça peut, ça peut faire un, un beau duel. En tout cas, il va falloir que le FC Nantes, René Girard et ses joueurs réagissent très vite On va écouter Julien tout à l'heure mais on va, on va tout de suite aller, aller voir eh bien la réaction de Guillaume Gilet. c'était juste à la, fin de, à la fin de la rencontre face à l'Olympique de Marseille il était au micro de nos confrères de Canal Plus on l'écoute On est dans la zone rouge donc euh, voilà les, les chiffres parlent d'eux-mêmes on ne on travaille, euh, travaille pas suffisamment il faut croire euh, que ce soit à tous les, à tous les niveaux donc euh, prochain match à domicile contre, contre Bastia il faut impérativement euh, l'emporter euh, essayer de se donner un peu d'air on ne travaille pas suffisamment, faut croire. Qu'est-ce qu'on peut interpréter comme ça, Julien, là, sur, la, sur la réaction de Guillaume Gillet Guillaume Gillet, c'est quelqu'un qui est assez cartésien, finalement, et qui s'appuie sur des faits. Aujourd'hui, euh, c'est le seul à dire, euh, on est 18e, les résultats ne sont pas là, on est en crise. Enfin, c'est une situation de crise. Euh, ça, ça englobe tout, ça veut dire qu'il veut, par cette phrase-là, il veut jeter l'opprobre sur personne et sur tout le monde en même temps. C'est plutôt adroit de sa part. Euh, et c'est aussi un peu ce sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure, René Girard, en attaquant comme ça euh, sur le sur l'arbitrage, on, on en pense qu'on en veut, mais il a toujours été respecté par ses vestiaires parce que euh, il n'attaque pas ses joueurs, il, pas ses joueurs. Mmh. il les protège en faisant ça. Euh, ça danse un thème. Et ça lui évite de devoir s'expliquer peut-être sur certains de ses choix, comme pourquoi il a sorti Thomason à la 76e alors qu'il l'avait fait entrer à la 12e. À oui, hein. et, et ensuite, ça lui évite de devoir peut-être fustiger le comportement d'un secteur ou d'un autre, ou d'un joueur ou d'un autre, et de garder ça en interne parce qu'on sait qu'il protège ses joueurs et lui, il est plutôt vivant caché pour vivre heureux. Quoi. Okay. Allez, on va écouter. là, c'est Montet Thomas qui nous dit sur Twitter en direct, quand tu parles des arbitres ou des erreurs des autres, ça t'évite de parler de ton jeu. Et là, il te rejoint et de tes propres carences. On va regarder ensemble, messieurs, ce qui attend, eh bien, le, les Canaries dans les prochains jours au niveau de son calendrier. La réception de Bastia qui a s'avéré vraiment cruciale. Pour le FC Nantes, des Nantais qui doivent impérativement s'imposer, déplacement à Lorient après la coupure internationale et puis réception de Rennes dans un derby qui sent déjà la poudre pour pour le FC Nantes qui va devoir vraiment réagir. On a quelques secondes simplement pour parler. On a entendu justement, puisqu'on a donné le tweet de Roland Courbis en tout début d'émission, que Courbis pourrait être appelé par au chevet de, au chevet du FC Nantes euh, après après Girard. Euh, Courbis, est-ce que est-ce que Fred, toi qui connais bien le personnage aussi, puisque tu suis, tu as suivi Rennes et tu suis Rennes. C'est la solution Pour moi, la solution, c'est pas l'entraîneur, de toute façon, à Nantes. La cause qui n'est pas l'entraîneur Oui, enfin, la... changer, changer d'entraîneur, euh, et j'ai vu un tweet passer euh, qui disait qu'on peut mettre Guardiola ou Mourinho, ce serait exactement la même chose. Donc, euh, sincèrement, les problèmes du FC Nantes, ça ne vient pas de l'entraîneur. Bon. Euh, maintenant, je pense que Courbis n'est pas intéressé. Euh, je pense que ça ne se fera pas. Il a dit qu'il donnerait euh... sa destination mi-décembre. Oui, oui, non, Donc, et puis. Euh... Je, je, je dire, il, faut, il faut le dire clairement il y a des tas de gens qui n il y a des tas d'entraîneurs quand ils ont un peu le choix ils y vont presque je dirais partout sauf à Nantes hein, pour, pour des raisons qu'on connaît des, les relations internes au club qui ne sont pas bonnes donc euh, si on devait changer Girard aujourd'hui on aurait du mal à trouver quelqu'un et ce ne serait certainement pas quelqu'un qui, qui a encore un petit peu de prestige dans la, dans la profession comme Roland Courbis bon Jérôme toi qui es consultant RMC on sait que Roland Courbis est aussi là il n'en a pas parlé non oh non non il ne m'en a pas parlé non. Et je ne pense pas que ce soit pareil la, la solution elle va venir d'où la solution et La solution, elle va venir du, du terrain. Il va falloir que ces joueurs-là, que, que les dirigeants du club ont choisi, je dis bien l'ensemble des dirigeants du club, se mettent à jouer au football ensemble. Euh, qu'on change l'entraîneur aujourd'hui, c'est quand même très tôt et en même temps c'est n'est pas la solution. On voit bien, euh, on a choisi les joueurs, on a choisi l'entraîneur, qu'on nous démontre que que ça va marcher. C'est pas inquiétant. Moment. Julien, même si on est né qu'à la septième journée de championnat. Ah bah si, le, le, bilan, le bilan est inquiétant. Il est, il est plus mauvais que l'année la de la première descente du FC Lente. Donc euh, c'est forcément inquiétant. Et, et, le, et le profil de l'équipe, il ressemble. Mais bien. voilà, il y a des profils de l'équipe qui ressemble. Et en plus, une fois encore, à, à mon sens, euh, on peut mettre n'importe quel entraîneur. Aujourd'hui, euh, dans la boîte à outils, il n'y a pas ce qu'il faut pour permettre euh, de créer quelque chose de cohérent sur le terrain. Donc euh, charge à René Girard. Et comme c'est lui qui est... En, à la tête de ce groupe depuis le début, je pense que c'est lui qui est le plus à même... De trouver les solutions, les de la guérison. La, la solution de fond et le discours de beaucoup de personnes, c'est les garçons ont besoin de se connaître et, et de vivre ensemble et de se connaître ce groupe. Si on renomme un entraîneur, il faut recommencer à zéro. Donc ça veut dire qu'il va falloir réapprendre ou alors il faut rappeler un entraîneur qui était là il n'y a pas longtemps, mais sinon il n'y a pas de solution. Il faut essayer. Non, bien véritablement. On va couper bon, le son s'il ouais. revient. Okay. Non, il ne reviendra pas. Je ne pense pas. Effectivement. Et puis euh, on aura l'occasion aussi de reparler de, de l'affaire Charline Zogbia, qui, vous le savez, eh bien n'a pas encore signé au FC Nantes en raison de, de problèmes médicaux. Je ne sais pas si Julien il y a des infos là-dessus par rapport à, à un problème que... cardiaque. Oui, voilà, euh... c'est est ce, est, est ce qui est évoqué. Euh, après, euh, on connaît les doutes des, de la direction de Nantes de toute façon. Sur Charles euh, Voilà. Et euh, aussi sur ces, euh, sur ces joueurs qui peuvent avoir des problèmes de cœur. Donc, ils vont être très, très vigilants par rapport à ça. Euh, ça fait partie des, des doutes, qui, qui, qui red... enfin, des, des choses qu'ils redoutent. Euh, donc, euh, oui, ils vont, ils vont être, euh, être d'autant plus vigilants que là, pour le coup, ça serait vraiment un homme de René Girard. Suite au prochain épisode, hashtag Canaryplay, hashtag FC Nantes. On se retrouve bien évidemment mardi prochain pour un nouveau numéro de, de Canaryplay. N'oubliez pas le rendez-vous, FC Nantes Bastia. Ce sera samedi soir 20h au stade de la Beaujoie. On va remercier nos trois invités du jour qui sont vraiment pas langue de bois et ça fait plaisir. Fred Abbe de la FP. Merci beaucoup, Fred. À très, à très vite hein, sur le plateau. Plaisir. Julien Soyer, merci euh, beaucoup hein, merci à un consultant euh, France Télévisions sur les <laughs> Jeux Paralympiques extraordinaires. Vous avez eu l'occasion de, de l'écouter. Et puis, euh, Jérôme Pinault, qu'on va retrouver euh, le 12 novembre du côté de Vigneux de Bretagne aussi. Pour, euh, pour un match, pour son jubilé. Exactement. Voilà. Il y aura du Venez, beau les, beau. les Canaries risquent de gagner. <laughs> bah voilà, on marque <laughs> en <marquant> début. <des> <laughs> peut-être pas trop, faut peut-être pas exagérer. <laughs> on va, on va, on va, on va on voir compte, ce qui se passe. racontez sur notre milieu de terrain, Anthony Brûlé. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. merci beaucoup, merci <laughs> beaucoup, messieurs. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci, euh, eh bien, à, à tout, euh, toute la technique qui était euh, derrière cette, euh, cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canaries Play. Bonne semaine à toutes et à tous, et allez le FC Nantes.